Chères Godeviciennes, chers Godeviciens, en mars prochain auront lieu les élections municipales. Ceux qui me connaissent savent tout l'attachement que j'ai pour notre commune Gouvieux. C'est pour cette raison, et bien d'autres, que je suis candidate. J'aime profondément Gouvieux. J'y suis née, ma famille y est ancrée depuis bien avant ma naissance. Avec mon mari, j'y ai élevé mais aussi scolarisé mes enfants. Je sais que la fonction de maire ne s'improvise pas. Elle nécessite d'être formée et ne doit pas être briguée pour servir une quelconque ambition personnelle. La priorité de mon engagement est de préserver notre qualité de vie. Tout le monde s'accorde à dire qu'il fait bon vivre à Gouvieux et il est juste de souligner que c'est le résultat d'un travail accompli depuis de nombreuses années. Ma démarche se veut résolument positive et mon approche sera moderne. Nous ne pouvons plus accepter, par exemple, qu'il n'y ait pas de cantine scolaire pour tous les enfants et le manque d'offres plurielles de garde d'enfants également. Bien sûr, le réseau des assistantes maternelles est bien développé. Elles font un travail formidable et en aucun cas nous viendrons affaiblir ce qu'elles font. Néanmoins, nous nous devons de proposer aux parents la possibilité de choisir le mode de garde qu'ils souhaitent. La digitalisation de nos services a également pris du retard et je compte le rattraper. Ces premiers axes du projet, c'est vous qui me les avez inspirés au gré de nos rencontres. Une équipe forte composée de femmes et d'hommes représentatifs de notre ville s'est déjà rassemblée autour de moi. Je crois aux relations humaines, vraies, franches, et la jalousie et la démagogie n'ont aucune place. Gouvieux, c'est une commune, ce sont des habitants liés les uns aux autres par des liens forts qui nous rendent tous fiers d'être Godeviciens. Je ferai tout pour garder et renforcer ces liens, notamment en instaurant des permanences hebdomadaires ouvertes à tous, sans rendez-vous, mais en organisant des réunions de quartier, des visites de quartier, en créant un contact direct avec vous. Un immense travail a été fait, mais je suis convaincue qu'il est temps d'évoluer pour démarrer et écrire un nouveau chapitre avec vous. Pour cette raison, j'espère avoir l'honneur, en mars prochain, d'être choisie pour devenir votre maire. J'ai pleinement conscience que pour beaucoup d'entre vous, cela fait plus de 35 ans que vous n'avez pas à vous poser la question. Je veux agir dans la continuité, préserver, protéger le modèle godevicien avec la ferme volonté de choisir avec vous un nouveau présent pour démarrer un meilleur avenir. Je vous promets un engagement total, en toute transparence.